quand vous êtes célibataire, vous ne voyez que des couples heureux et quand vous ne l'êtes pas, vous trouvez des célibataires heureux. Les personnes qui essaient de rendre tout le monde heureux finissent souvent par se sentir les plus seules. Il a été prouvé psychologiquement qu'il ne faut que 4 minutes pour tomber amoureux. Lorsque vous tenez la main d'un être cher, vous ressentez moins de douleur et vous vous inquiétez moins. Plus vous cachez longtemps vos sentiments pour quelqu'un, plus vous tombez amoureux de cette personne. Plus on dépense d'argent pour les autres, plus on se sent heureux. Le pouvoir fait que les gens se soucient moins des autres. La façon dont vous vous habillez est liée à votre humeur. Bien s'habiller contribue donc le plus souvent à vous rendre plus stable et plus heureux. La toute dernière personne à laquelle vous pensez avant de vous endormir est soit la raison de votre bonheur, soit celle de votre douleur. Les gens sont plus séduisants lorsqu'ils parlent des choses qui les intéressent. Plus vous parlez de quelqu'un, plus vous avez de chances de tomber amoureux de cette personne. 90% des gens envoient par SMS des choses qu'ils ne peuvent pas dire en personne. Si vous annoncez votre objectif aux autres, vous avez moins de chances de réussir. Des études confirment que vous perdez votre motivation. Les femmes qui ont surtout des amis masculins sont plus souvent de bonne humeur. Les femmes ayant un QI élevé ont plus de mal à trouver un compagnon. Vous ne pouvez vous souvenir que de 3 ou 4 choses à la fois. Vous imaginez des objets vus d'en haut et inclinés. Vous prenez la plupart de vos décisions de manière inconsciente. Les personnes intelligentes ont tendance à avoir moins d'amis que la moyenne des gens. Plus une personne est intelligente, plus elle est sélective.